C'était une rencontre dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'État s'appuie sur des instruments d'opérationnalisation. Et ces instruments d'opérationnalisation, on peut citer le PND, le plan national de développement, qui a un horizon temporel de 5 ans, donc qui est renouvelé au bout de chaque 5 ans. Donc au niveau régional, nous avons élaboré donc notre plan, notre contribution régionale donc à ce plan national de développement. Mais à côté aussi, nous avons élaboré notre contribution au plan d'action prioritaire PAP numéro 3, qui est un document qui permet aussi d'opérationnaliser le plan national de développement. Donc dans ces documents, on retrouve donc des informations, notamment les orientations stratégiques retenues au niveau de la région de Saint-Louis et qui pourraient être mises en œuvre dans les 5 prochaines années, mais aussi dans le PAP 3, nous avons retenu des projets, des programmes, éventuellement des réformes permettant également d'atteindre les objectifs retenus par le plan national de développement. L'idée, c'est de proposer, de suggérer des orientations stratégiques permettant d'atteindre un certain nombre d'objectifs de développement au niveau régional, mais aussi suggérer des projets et programmes qui, une fois mis en œuvre, nous permettront en tout cas d'atteindre les objectifs qui ont été fixés plus globalement dans le plan Sénégal émergent. Et pour l'élaboration de ces documents, on avait demandé aux chefs de services régionaux de nous fournir certaines informations relatives à leur secteur. Et ces informations ont servi à l'élaboration d'un certain nombre de projets et de programmes. Et on s'est focalisé, on s'est servi également du rapport de la conférence territoriale et également du rapport de préparation des conseils des ministres de localisés qui a été prévu dans la région de Saint-Louis pour élaborer donc ces deux documents. Donc aujourd'hui, on a réuni tous les services techniques concernés, mais aussi les collectivités territoriales et les responsables de projets et de programmes, et éventuellement également les représentants de la société civile, pour procéder à la validation de ces deux documents, s'assurer que tout ce qui a été retenu comme orientation, tout ce qui a été retenu comme projet et programme est conforme à la réalité du secteur au niveau de la région de Saint-Louis et conforme aux aspirations des populations de la région de Saint-Louis, pour nous permettre un peu de donner notre contribution de la région de Saint-Louis au plan national de développement qui sera élaboré par le niveau central et éventuellement au plan d'action prioritaire numéro 3, donc qui sera élaboré également par le niveau central. Des remarques ont été également faites, des remarques pour corriger parfois certains problèmes, mais également pour intégrer sur le document d'autres. Oui, forcément, c'est ça l'objectif de cet exercice, c'est-à-dire que permettre aux chefs de service de faire des remarques ou même de donner des informations complémentaires ou supplémentaires, de corriger certaines informations. C'est parce que nous voulons avoir des informations, nous voulons fournir dans notre rapport des informations fiables, des informations en tout cas qui sont conformes à la réalité de la région de Saint-Louis, mais des informations qui permettront aussi d'élaborer des projets réalistes et réalisables. C'est pourquoi certains services n'ont pas manqué de faire des remarques, de faire des suggestions et de donner des orientations pour parfaire les deux documents que nous avons validés aujourd'hui. Directeur régional de la planification de Saint-Louis. Dieu merci. Donc c'est un long processus qui a démarré depuis le 17 janvier avec la lettre du ministre de l'économie, du plan et de la coopération qui avait instruit au gouverneur de mettre en place des commissions régionales de planification qui sont chargées de formuler en tout cas la participation, la contribution de la région de Saint-Louis au plan national de développement PND, en tout cas assorti d'un PAP, d'un plan d'action prioritaire à l'horizon de 2024-2028 pour le PSE qui est à sa troisième phase. Donc grosso modo ce PAP, en tout cas pour nous autres, la région de Saint-Louis, nous avons fait le travail. On n'a pas attendu ce document, d'autant plus que le gouverneur, sous l'égide du gouverneur, nous avions l'habitude
de faire un travail pareil à travers la conférence territoriale, le rapport de la conférence territoriale qui se déroule chaque année. Et par chance aussi, on est en 2023, on avait prévu en tout cas de recevoir le conseil des ministres délocalisés qui s'est tenu quelque part dans des régions. En tout cas, on se préparait à ça. Et pour ça aussi, donc, nous avons fait un rapport dans ce sens-là. Et ce sont ces deux rapports fondamentalement, en plus du diagnostic des différents secteurs qu'on a élaborés, ça nous a beaucoup aidé. On s'est appuyé sur ces deux rapports principalement pour produire cette contribution de la région au PND PAP 3 du PSC. Les participants également ont fait des contributions. Mm-hmm. Vous allez prendre en compte sur... Bon, effectivement, toute œuvre humaine est perfectible. Donc c'est dans ce sens-là, comme on parle de validation, il faut que peut-être que ceux à qui on s'est adressé pour nous donner des éléments qui nous ont permis de faire ce travail-là, qu'on retourne encore à ces gens-là pour qu'on leur demande encore pour une dernière fois leur avis sur ce qu'on a déjà fait, qui épouse les contours de la planification. Il consiste à faire donner une situation diagnostique, après cette situation diagnostique, se fonder sur des atouts et des contraintes, mais aussi sur l'existence, ce qui existait en tout cas, sur les potentialités en tout cas de la région, qui est une région stratégique au niveau national, qui est quand même une région véritablement qui contribue beaucoup, si nous prenons simplement la préoccupation en tout cas majeure de tous les Sénégalais, c'est-à-dire d'avoir son sac de riz à la fin du mois. Donc le riz est produit essentiellement ici à Saint-Louis.